Paul, racontez-nous ce sprint. On a vu du groupe à mal avant dans le dernier kilomètre. Ouais, puis même avant, déjà à partir de 20 bornes, on était déjà super bien tous placés, donc ça c'était impeccable. Après, on s'est un peu perdu sur le taquet, mais je pense que c'était un peu le cas pour tout le monde. Nous, on s'est bien rattrapé avec Miles, on a réussi à remonter au bon moment. Et après, dans le gros rond-point un peu bizarre, Jake, il a sa roue qui a sauté, ça nous a un peu frayé. Après, ils ont remis un gros coup. Ça nous a un peu tous mis dans le rouge et au final, on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant devant non plus. Il y a Morkov et Jakobsen qui passent devant moi, je prends la route de Jakobsen, mais au final, c'était parti sur la gauche un peu plus tôt avant et avec de la vitesse, donc c'était impossible de revenir. Ouais. Après votre superbe début de saison en Australie, le plan ce matin c'était d'y aller pour vous parce qu'il y a Jack Stewart aussi dans l'équipe qui est un super sprinter. Ouais, carrément, il y a presque tout le monde qui va vite dans l'équipe là, donc c'était cool et ouais, c'était pour moi, donc c'était super. Je remercie l'équipe pour la confiance et pour ce qu'ils ont fait aussi dans le final, donc c'est top, on a une bonne équipe. Plein de cartes à jouer avec Stéphane, avec Val aussi, sur d'autres arrivées, donc c'est super. Merci beaucoup, Val. Merci.